Hey, salut à tous et bienvenue, c'est Blue et on se retrouve cette fois pour du Amnesia, A Machine for Pigs. Et ça va être notre premier épisode, Melou. Mais qu'est-ce que Amnesia, A Machine for Pigs? Eh bien, c'est la suite. Enfin, la suite. On va dire la suite du premier Amnesia, donc Amnesia The Dark Descent. Donc écoutez, le délire est différent. Ici, apparemment, ça se focalise plus sur l'histoire. Avec quelque chose de plus glauque qui tourne autour des cochons, tout ça, bon bref. On va voir ça, on va découvrir ça ensemble. Pour éviter de me spoiler et de vous spoiler. Oh, un chargement. Cette ambiance sonore vous étripe. Vous le sentez? Celui qui fait une bête de lui-même se débarrasse de la douleur d'être un humain. Dr. Samuel Johnson. Oh, c'est rouge. Daddy. Daddy. Please don't kill me. C'est un petit peu flou tout ça. Qu'est-ce que je fais dans une cage? Ça y est, je suis déjà mort. T'as un peu trop bu, toi. Toi. Amnesia, a machine for pigs. Ah, ça y est, j'ai le contrôle. Oula. Oh là là. Oh, je suis complètement ralenti. Oh. Qu'est-ce qui se passe? J'ai aucune idée de ce que je dois foutre. Oh là là. Ah, je commence à récupérer petit à petit. Ça devient un peu moins flou. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à prendre ou je ne sais quoi? Dans mes rêves, je vois un homme vêtu de peau de jaguar et en pénétrait un saint ensanglanté. Ce qui est venu du cœur nous a lubrifiés, a écrasé le mal sous ses pas et nous a tous libérés. La chaleur fétide de la jungle se reflétait quelque part devant moi. Mes tempes battent, le sang bouillonne dans ma tête. C'est comme s'il y avait quelque chose de vivant, un rat, un sale rat courant dans mon cerveau, dévorant tout pour en sortir. Même le Dlo Danum ne réussira pas à calmer son insatiable faim. J'entends mes enfants jouer dans le grenier. Une vision d'horreur plus que d'amour. Que sont ces pensées désespérées? Alors, pour déplacer le... Ouais, ça, ok. Eh ben, on va y aller. Bonjour tout le monde. Daddy, Daddy, find us. Ouais. J'ai rien compris.
son sens. Papa, papa, this way. What? Mais y a personne. Bonjour Madame Leplante. Quelque chose ici. Qu'est-ce que c'est? What? Sympathique. Pour accéder rapidement à vos notes, appuyez sur M. Non. Attends. Ah d'accord. Mais ils dormaient dans le grenier quand ils étaient bébés. Peut-être s'y sont-ils cachés aujourd'hui. Je me souviens de m'être attardé sur cette idée à mi-chemin entre ma chambre et mon bureau. Il y avait un. Il y avait pas une porte ici. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? T'as un problème là. Ça s'ouvre pas. Je crois que je vais être obligé de descendre en fait. On va descendre. J'ai du mal à saisir le truc. À mon avis, on doit essayer de choper une clé, probablement. I held your hand and watched the blood pool between your legs. You lived long enough to see Edwin, but not Enoch. I will take care of them, my love. I promise you this. Oh, je peux même pas entrer dans les cages. Attends, y'a rien à prendre là? Non. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir foutre? C'est la question. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là, c'est là d'où je viens. Mais j'ai... Ah! Ouais, sauf que ça m'arrange pas beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est quoi le délire avec les têtes de cochon partout? Bordel de chaise! Ah! Génial! Là, je suis refait. Visiblement, c'est pas comme dans le premier Amnésia, on pouvait ouvrir n'importe quoi. Mais alors, pas du tout. Là, il y avait juste ma commode, là. Attends, on va inspecter les commodes. Les commodes, les... Tout, tout. Visiblement, elles sont surtout fermées qu'autre chose. En fait, le truc que je comprends pas, c'est où est-ce qu'on descend, en fait. Parce que c'est bien gentil, on est à l'étage, mais... Il y a un truc, là. Faut que je remonte. Il y a un truc, c'est pas possible. C'est à tous les coups, le truc est sous mon nez. J'ai rien vu. Bonjour, je ne fais que passer là-dessus. Pas de problème. Et qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah! Chut. Je veux rien savoir. C'est-il pas mignon? Bonjour. What? Oh, une petite note. Papa dit qu'on ne fêtera pas Noël cette année. Il est débordé. La nounou dit qu'il ne faut pas le déranger, il est trop occupé. Il est parti travailler avant qu'elle ne nous réveille et souvent, on dort déjà quand il rentre.
On a trouvé un oiseau blessé dans le jardin. On l'a donné à la nounou qui a dit que c'était sale avant de le tuer avec un rouleau à pâtisserie. Plus tard, on est descendu lorsque tout le monde dormait pour l'enterrer. Il y avait un cochon dans le jardin. On l'a entendu renifler, puis papa est arrivé pour nous demander de rentrer immédiatement. Il était en colère, mais on aurait dit qu'il avait encore pleuré. What? What the fuck, man? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Bonjour! Alors, comment j'utilise ça, moi? Vous avez un pied sur F. La 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 la. Hein? What? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Bonjour, bonjour. J'ai pas remarqué. Salut. T'es plutôt sexy, toi. Attends, je crois que je vais plutôt essayer de la pousser. Là, va ici. Allez, voilà. D'accord, il bouge plus. Écoute. Alors. Très bien. Pardon? Pourquoi j'entends marcher? A-t-il dit, je connais ces ruines. Il était misérable, rongé par une maladie malodorante. Il me regardait bizarrement, comme s'il voulait savoir comment j'étais au courant. Renonçant à la tentation de réprimer son impudence, je souris et lui dis que la bibliothèque de ma famille abritait de mystérieux récits de voyage. Ce qui, ce rustre illettré, ne comprit évidemment pas. Il accepta néanmoins de nous guider. J'ai dit aux enfants, vraiment, ça va être une aventure extraordinaire. Si, comme je le pense, ces vieilles pierres cachent un si grand trésor, il y en aura d'autres. D'accord. Ah putain, il y a de quoi picoler ici. Hein. Ah, qu'est-ce que... Quoi? Pourquoi il ne m'accaparait alors qu'il y a... Ah, what? Non, ça marche pas. Visiblement, il n'y a rien d'autre à faire ici. Mais... Ah. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Les autres portes sont fermées. Bon. What? Ils sont bizarres ces tableaux. Oh là, ça va. Hein?
Ça va, c'est plutôt sympa ça. La mettre en tableau. Ça, ça va. You don't mind if I record this, do you? I find it most useful. Ah, you have one of those wonderful Tamarzin bills. No, of course not, my dear fellow. It's my own design, Professor, along with everything you see. Most useful. You understand, of course, why the Ministry sent me. That they have concerns. Elle est floue. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Dites-le-moi. C'est l'heure de sursauter. What? Ah oui. D'accord. Bordel. Putain. Ils sont plutôt sympas ces tableaux. Alors, est-ce que... Peut-être que je... Bonjour. Bonjour, bonjour. Mais c'est le même tableau là, c'est quoi cette arnaque? Bonjour. Bonjour. Bande de dépravés. Salut. Avec plaisir. Hello. Precious eagle cactus fruit. Help us. J'ai rien compris. Pourquoi il a dit ça? La banque refuse le crédit. Quelle ignominie. Une fois les enfants et les serviteurs endormis, je me mets à pleurer. Ma chérie, j'ai tellement besoin de toi. Ils disent que j'ai dilapidé ma fortune, que l'argent que j'ai investi dans ces machines a sali le nom de la famille, que j'aurais mieux fait de rester simple boucher. Que sont ces deux bras comparés aux multiples bras qu'il est possible d'utiliser, sans les payer, sans les épuiser, en adaptant les mécanismes trouvés chez les tisserands et les meuniers. Mais si la banque refuse, tout cela n'aura servi à rien. S'ils saisissent la maison, je jure de les tuer, de tous les tuer. Je prendrai mon fusil. Mon fusil. Tout sexy. Ouais. C'est bizarre cette lampe. Ouais. J'ai pas un truc à prendre sinon. Ah, attendez. What? Là où nous essayons autrefois pour pleurer la mort de Lily sans les armes qui ne peuvent pas tuer les anges. Pour le ramener épargné. Examine les peintures, Oswald, là où tu regardais, jadis. Les enfants du découvrir sont vrais. Il y a un truc. What? Avec les peintures. Avec les peintures. Bah. C'est quoi cette arnaque là? C'est fermé maintenant. Eh bah, bon bah, je crois que j'ai pas trop le choix en fait. Je sais pas ce que ça fait, mais ça doit être génial.
qu'on voit à travers des tableaux. Qu'est-ce que c'est que ce... Alors, je sais pas ce qui se passe avec l'ambiance. Le remplacement ne convient pas, tout comme une pompe. Mieux vaut le canal intestinal comme un ver solitaire qui s'introduit et grandit. Le laiton plutôt que le cuivre, plus résistant. Les filaments cousus aux os. Retrait de la moelle à l'aide d'une épingle, remplacement de composés simples, répondra aux sollicitations électromagnétiques pour augmenter la cadence. Le sérum permet une recomposition accélérée, ce qui intervient sous 2 à 3 jours. Les lobes frontaux des sujets doivent être découpés pour réduire la détresse émotionnelle liée à la réactivation. Damnée, damnée, cette âme en péril est damnée. Si seulement il s'agissait d'un mécanisme. Hein ? Il y avait ça tout à l'heure, tu vois ? What the fuck ? Est-ce que toutes ces photos là ? Bonjour, bonjour. Dis donc, ça a l'air plutôt sympa ici quand même. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de gens par terre. Je suis dans un autre. Il y a du sang dans cette sueur et c'est inconvenant. Bonjour tout le monde. Il est vachement long ce couloir. Pour courir, pourquoi j'aurais... Qu'est-ce qui se passe? Alors si on me donne l'astuce pour courir, c'est qu'il va y avoir un truc. Non? Ça serait trop facile. On commence à y avoir de l'ambiance là. Cette voix au téléphone, elle me parle comme si elle me connaissait, et en effet, il me semble la connaître. Comme des jumeaux séparés à la naissance, j'ai l'impression que nous sommes liés, sans savoir comment. Je me noie en essayant de rejoindre la surface dans ma propre maison. Je sais que sous mes pieds, dans l'obscurité, se cachent de splendides architectures. Si seulement je pouvais trouver les entrées. Daddy. Il y a beaucoup de tableaux, hein, c'est les mêmes. On va pas se mentir. Non mais ce tableau quoi, merde. Bon, j'imagine que je pourrais pas sortir, ça serait trop facile. Non plus. J'aurais essayé, d'accord? I must say, my dear man, you look awful. Yes, sir. I seem to have picked up something rather nasty in Mexico. I do understand what you've been through. A lesser man would have crumbled. Yet you have made all of this. Your great factory, your charity. It is a wonder for one man alone. It will all be made clear, Professor. But first, a drink.
Il y en a un autre là, peut-être que... Non, celui-là, je peux pas... Si, non, si, non. Bonjour tout le monde. Alors, deux petites secondes. Je peux brûler. Allez. Oh, c'est nul. Non, c'est... Un truc sympa à prendre, non? Une bouteille, non? Voilà, je vais prendre ça. Bon, reste là sage. Mandus, do you know me? Who are you? Where are my children? Trapped, Mandus. Far below us. The machine is fouled. It is breached. It is flooded. The bulkheads are down. The children are engaged. If you help me, I can help you release them. Restore the power, Mandus. Drain the flooding and restart the great engines. How? Where should I go? Hello? Hello? Hello pour EO. Ah, attends, moi j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'une compagnie. Reste sage, voilà, ici. Je t'ai dit de rester là. Bon, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Je peux ouvrir là? Cette option est indisponible. Veuillez rebrousser chemin, s'il vous plaît. Oh. Est-ce que je peux pousser la porte avec ça? Oh putain, c'est génial. Oh, ma petite balle. En tout cas, l'ambiance, c'était plutôt sympa. On voit que la musique, c'était ça. Allez, ma petite boule, reste avec moi. C'est le numéro combien? Hey, c'est le 5. C'est pas génial, ça? Merde, putain. Bon, tant pis. Je ferai ça. Ouais, une lampe verte. Les gens, des goûts bizarres. Salut. Allez, une autre. Je me balade bien. C'est plutôt sympa. Ah, ici. Mais ça me dit toujours pas. Mais attends, je viens de là. Peut-être aller ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Salut. Putain, il est gros celui-là. Bon, tu vas me dire l'autre aussi. Oui, messieurs, bonjour. Je me prosterne devant vous. Bon, il y a encore un délire avec un fusil, non? Même pas, même pas. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Oh. Attends, je fais le tour de la pièce vite fait.
D'accord. Est-ce qu'il faut que j'y retouche ou... Non. Y a-t-il une manif... Oui. Ah putain. Me faire avoir à chaque fois. Alors, y a-t-il un petit truc à tourner? Non. Je peux pas me déplacer du coup là. Si, non. Ouais. Encore toi. Encore toi. Mais t'étais pas là-bas. D'accord. Mais comment je fais maintenant pour y aller, hein? Un visiteur. Le distingué professeur. Ouais. Ah, venu évaluer ma santé mentale suite à mon absence prolongée du club. Je ne suis pas dupe. Il est ici pour les espionner. Lors de la filature de l'éventreur, on faisait souvent appel à lui pour examiner les victimes. Aujourd'hui, il est ici pour moi. Pour m'embêter avec des... Mon cher monsieur, mais vous devez toujours être affecté. Et des... Peut-être un coup d'œil rapide à vos mécanismes. Le triomphe de l'âge. Il ne sait rien de la perte, rien du sacrifice. Mais refuser? Non. Cela reviendrait à donner un coup de pied dans la fourmilière, à inviter un SM d'intrus et de voleurs. Je dois divertir ce bouffon et me soumettre à son intrusion. Peut-être devrais-je lui faire visiter la tréperie pour voir si son estomac, habitué aux entrailles de prostituées, maladroitement disséqué, est suffisamment bien accroché pour regarder les véritables mécanismes de son âge d'or. Je pourrais même lui présenter Jack, ou du moins ses descendants. On a renforcé les verrous des fenêtres, et maintenant, on leur apporte des jouets. Ah. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Salut. C'est complètement tordu. J'aime beaucoup celui qui a fait la peinture ici. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que... Ah, d'accord. Ok. Bon, je suppose que je dois revenir sur mes pas. Ah. Je pense qu'il va y avoir un truc à faire là-bas. Je vais y aller tout de suite. What? Pourquoi j'ai un de ces zooms affreux? Qu'est-ce que... Hands are bleeding. Raw. Scrub and scrub, but the smell will not lift. How can I hold my children with these hands now? How can I kiss them goodnight with lips that have issued such instruction? Okay. Je crois qu'il y avait quelque chose là-dedans. Et je crois que je l'ai vu courir. Un soir, elle s'est approchée de votre porte, avec son joli tablier qui lui arrivait jusqu'aux pieds. Ses cheveux bouclés et ses yeux bleus de Chine, comme une main à moitié enterrée dans la neige hivernale, comme une main dans la neige hivernale. Et par la fenêtre entrouverte, elle vous a demandé des pommes.
Son visage était caché, mais ses yeux brillaient. Et vous, vous êtes laissé piégé par cette charmante silhouette. Elle vous a empoigné et dévoré votre cœur. Elle vous a empoigné et dévoré votre cœur. Alors prenez garde, la Saint-Sylvestre venue, de crainte que Sally vienne demander des pommes. Et sachez que certaines portes ne doivent pas être ouvertes. Écoutez votre père et restez à l'intérieur. Sally punit les enfants désobéissants. Sally s'en nourrit. Oui, c'est vrai. Bon, je suppose que je n'ai le choix que d'aller faire coucou à ce que je suppose était un porc. Ah, visiblement, je dois aller là. Non. J'en ai marre de ces portes qui bougent. Bon, allez, viens me faire un petit câlin. Que je peux passer par là. I'm off the market. I will cry to the wake. I will have none. I will have none. Ok. Mais c'était pas là où j'étais. Ah non. Ah si. C'était là où j'étais tout à l'heure. Et maintenant, c'est ouvert ici. Oui? Oh, t'es encore là, toi. What? Pourquoi ça repart dehors? Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais... Ah d'accord. Arrête. Un œuf de pierre. Bonjour, bonjour. Bonjour. J'ai glissé. Ça arrive, hein, je suis désolé. Contre la montée des eaux, recroquevillé dans sa cabine, il nota à peine les semaines qui passaient. La houle faillit le couler, mais la fièvre parvint à maintenir un flot dans l'obscurité. Sa chanson luisait. C'était vraiment haut là. Putain, ça fait haut. Putain. Bref, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager. Nous nous retrouverons pour un prochain épisode de ce Amnesia, A Machine for Pigs. Allez. Merci d'avoir suivi et à la prochaine. Salut.